Salut YouTube, on continue Hogwarts Legacy et on va faire dans cette vidéo les devoirs des professeurs. On va commencer par celle du professeur Sharp, professeur de potions, et on va essayer de débloquer Defendo en achetant une potion d'invisibilité chez Pipin, après Olard, et en buvant un brovorage contre des ennemis. Ok, donc le brovorage, on va peut-être... Ah mais c'est une potion en fait, c'est pas breuvage, c'est brovorage. Voilà. Salut à Figofro GGR, bienvenue. N'hésitez pas à follow pour participer à mon concours, point d'exclamation cadeau sans X. Tirage au sort demain, en milieu de journée. Ok, j'ai bien fait de prendre un Doliprane avant, comme ça je vais mieux. Et merci à Figo, du coup, pour son follow. Figofro GGR, bienvenue. Ou Frogger, on peut peut-être dire, je pense que c'est plutôt Frogger. Donc on va aller chez Pipin, acheter des potions d'invisibilité et de brovorage. Ah, brovorage. Merci, oui, Frogger, désolé. Voilà, c'est vrai que voilà. C'est dur des fois de lire certains pseudos. Hein. Salut Flo, bienvenue Flo. Je vois que tu es nouveau. Donc potion d'invisibilité, c'est parti. On achète ça chez Pipin. Alors j'aurais bien aimé la fabriquer moi-même. Mais il faut lui acheter les recettes et malheureusement c'est un peu cher. Voyons voir, Maxima. Invisibilité, ouais, c'est 800. Ok, 800. Donc elle est où? Elle est là. Brovorage. Donc j'achète. 1000. C'est une sage décision. J'ai pas vu. Et là, 500. Ok, donc j'ai les deux potions. Très bien. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. T'es un lambda, très bien. Bonjour à toi, Figo Frogger, le lambda. Ouais, j'avoue, plus rentable d'acheter les recettes que les potions. Putain, je me suis fait... Hein? Voilà, hein? Je vais aller vendre tout ça chez... chez Guéchiffon. Alors, c'est où, Guéchiffon? Par là, non? C'est par là. C'est ici. Super. J'ai un petit souci sur Hogwarts, pouvez-vous m'aider? Vas-y, n'hésite pas Flo. N'hésite pas à nous demander. Et regardez, il y a un bug apparemment. Quand on regarde les miroirs de face, ça nous affiche de dos. Vous voyez? Quand je regarde de dos, ça m'affiche de face. Donc il y a un petit souci sur les miroirs quand même. Là. Hein? C'est de la magie. Il y a tant de choses à voir. Prenez votre temps. Oh putain, il vend des trucs trop stylés là depuis que je suis pas allé le voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir. C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas très beau, ça fait trop sport. C'est trop sport. Allez, on y va ce qu'on peut. Peut-être Lumos pour les miroirs. On peut essayer Lumos, ouais. Alors vas-y, je vais vendre tout ce que j'ai. Vendre objet. On a les skins, hein, donc on regrette jamais. 200 ça, putain. Attendez, je vends ça. Je me refais un peu de tunasse. Ah ça, je l'ai... Ah, c'est meilleur que ce que je porte. Voyons voir, 56, 34. Ah, on va se l'équiper du coup. On a cette écharpe aussi. Voilà. Ah, il y a ça aussi qui est mieux. Très bien. Putain, comment j'ai fait pour rater ça? Ça coûte une blinde en ressources tout ce qui est en reflet. Tu veux dire au niveau dev d'Harry Potter? Enfin, au niveau, pardon, config. J'ai récupéré pas mal de récompenses. Drop, précommande. Or, je ne les vois pas dans mon inventaire. Je ne suis pas allé assez loin dans le jeu pour les voir. Alors non, Flo. Tape point d'exclamation drops, là sur mon chat. Et tu cliques sur le lien qui est dans le point d'exclamation drops. Et ça va te donner toute la marche à suivre pour pouvoir récupérer tous les drops dans ton jeu. Et je l'ai fait hier. Alors, point d'exclamation, ouais, c'est l'inverse du point d'interrogation, Flo. Je déconne. Mais en gros, ouais, ça va te donner toute la marche à suivre pour pouvoir débloquer tout ça. Et si jamais, je t'explique si tu galères, ok? Je l'ai fait hier soir. Tu m'as tué, là, Flo, avec ton point d'interrogation. Allez, je vends tout ce qui est moins bien. Hop. Ah, 45, et là, 48. Ok, bon, on va s'équiper de tout ça. Ça, je vends aussi, non? Je m'en bats les steaks. Allez, hop, on va s'équiper de tout ça. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. T'inquiète, Flo, non, je déconne. Je troll beaucoup, moi, donc y a pas de souci. Quand je dis des trucs, en général, c'est pour me marrer.
T'as fini Elden Ring? Oui, Amon Calf. Je l'ai terminé juste avant que Hogwarts Legacy sorte en pré-sortie là, via PlayStation. Je l'ai fini lundi à 23h59. Ouais, j'ai bien avancé, Sakura, ouais. J'ai bien avancé. J'ai fait pas mal de petits trucs. Et du coup, j'ai débloqué Halo, Omora, j'ai débloqué pas mal de choses. Et là, du coup, je vais finir le truc de potion. Donc, on met ça. Hop. Voilà, donc l'écharpe, c'est bon. Ici. T'as mis combien d'heures pour tuer Elden Beast sur Elden? Entre 7 heures et... Enfin, en gros, j'ai mis 7 heures pour battre Malenia et l'Elden Beast. Voilà. Donc, c'était vraiment beaucoup trop sur le build de force, du coup. Dégâts infligés par les Zemferi réduits. Donc, celui-ci est meilleur. Oh, putain, ouais, on prend 17 de défense en plus. Ok. Il y avait quoi d'autre, là, qui était plus fort? Chapeau, non? Il y avait un chapeau. Oh, oui, putain, 48. La cible sous l'effet d'Impero inflige des dégâts supplémentaires. Alors ça, c'était pas mal quand même comme truc. Et celui-ci, voyons voir. Ok, toujours aussi moche. Hein. Les chapeaux. J'ai pas trouvé un chapeau qui me plaît. Je le dis, mais j'ai pas trouvé un seul chapeau qui me plaît. J'aurais bien aimé avoir un chapeau comme ça, vous voyez. Mais bleu mat, comme ça, en gros. Voilà, mais ça n'existe pas, vraisemblablement. Build Force était un vrai aussi. Eh ben écoute, merci, hein, franchement. J'en ai trop chié. Abusé. J'ai rien d'autre, non? Il me semble. Chapeau, c'est fait. Tunique aussi, c'est bon. Côté écharpe aussi, c'est fait. Donc non, ça a l'air beau. Ok. Bon, on va faire le truc du cours de potion. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a là? Des hibou express. Voyons voir juste. Hibou express. Mais pourquoi ça me dit que j'en ai un nouveau alors que j'en ai pas de nouveau du tout? Pourquoi il y a le point d'exclamation, là? C'est par personne? Je comprends pas. Ça tue comment t'es habillé, là? Je trouve aussi que je suis stylé. Tain, il y a les défis, aussi. C'est vrai que j'ai fait pas mal de défis. Je mets pas non plus les chapeaux. Ouais, vous avez vu, ils sont pas beaux, les chapeaux. Il manque un chapeau, genre un vrai joli chapeau. Tain, regardez! Apparence d'équipement. La cape de protecteur en peau de dragon. Je viens de débloquer ça. Énorme. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Rien, d'accord. Si, dans le combat, normalement, il y en a un autre. C'est lequel? 1 sur 5, 16. Non, je l'ai pas. J'ai rien d'autre. Celui du troll? Non, 1 sur 5. Bizarre, ces points d'exclamation. Oh, vous avez vu, guide du sorcier, je suis presque à la moitié. Incroyable. Figue en haut à droite pour le courrier. Attends, je vais voir. Ah oui, j'avais pas vu. Ok. Voyons voir, lisons celle-ci. Venez me retrouver dès que possible. Je reviens d'une visite contre-productive au ministère. J'espère que vous faites le meilleur usage de votre temps. Professeur Figue, ok. C'est des soins, appuyez sur carré pour changer le skin de l'équipement. J'ai pas compris. Mais il faut appuyer sur carré, ouais. Merci, je n'avais pas récupéré sur le site. Par contre, j'ai rentré mes codes bonus de précommande et récupéré sur le store de la Play des récompenses, mais pareil, rien à l'équipement. Ah, bah, oui, attends, je te montre. En fait, il y a deux choses qui sont différentes. Ce que tu vois là, quand tu fais croix, c'est pour équiper l'équipement, d'accord? Quand tu fais croix, par exemple, admettons, si j'ai plusieurs... alors, j'ai pas plusieurs toges, j'ai tout vendu, putain, quelqu'un. Là, par exemple, là, tu vois, j'ai fait croix et j'ai plusieurs trucs à équiper, d'accord? Si, par exemple, admettons... j'ai telle pièce d'armure qui me plaît pas, par exemple tu vois dans les écharpes celle-ci elle est équipée, d'accord, c'est celle qui est équipée actuellement. Là je peux équiper la bleue, d'accord, ok. Si j'équipe la noire, si elle me plaît pas visuellement, j'appuie sur carré dessus, sur la catégorie écharpe, et ensuite je peux changer son skin. Je profite de ses stats, mais en fait je change son skin après, et c'est là-dedans, Flo, que tu vas aller récupérer tes récompenses. Voilà. J'ai un ami qui m'a envoyé sa PS4, donc ça va être dilemme entre Ragnarok et Hogwarts. Ah ben Hogwarts, tu le fais sur PC, et Ragnarok, tu le fais sur PS4. Ok, donc allez, on va finir le truc des professeurs de potions, pardon. Il est vraiment cool, mon personnage, là.
Quel noob je suis. Merci en tout cas. Ben avec plaisir, Flo. Pas de soucis. N'hésite pas si t'as des questions. On l'a pas mal pensé, le jeu, là. Donc, n'hésite pas. Au début du jeu, tu tournes les reflets des chevaliers avec Lumos. C'est peut-être la même chose avec le miroir. Attendez, on va regarder le miroir. Merci, Flo, pour ton follow. Merci beaucoup. Et bienvenue. On va regarder le reflet. Il y a tout ce qu'il faut ici. Prenez votre temps. Donc là, je suis de dos, d'accord. Lumos. Ouais, non, il n'y a pas de... Y a aucune amélioration, là. Non, ça n'a rien fait. Salut, Rumshot, bienvenue. Bonjour, Rumshot. Alors, je rappelle, il faut follow la chaîne pour pouvoir participer au tirage au sort. Ok, alors on va finir la suite de la quête, du coup obtenir et utiliser une potion d'invisibilité. Donc la potion d'invisibilité, où est-ce qu'elle est ? On l'avait pas déjà fait ça ? Potion d'invisibilité, ok. Donc je fais ça. Très cool. Et la breuve orage, voyons voir, elle est là. Et c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Contre des ennemis, merde ! Oh non ! Oh non, vas-y, vite des ennemis. Et merci à Miss Click pour son follow. Bienvenue, Miss Click. Avec plaisir, Miss Click. T'as mes breuvages, en plus, ça a l'air trop cool. Mais non, je me dégoûte. Je vais devoir aller en racheter une. Oh non. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolar ? Oh, je me dégoûte. Oh non. La musique qui va bien, ouais. Bah, je vais être obligé d'aller arracher une. Je suis dégoûté. Salut Pomme d'Api. Putain, je t'avais pas vu, Pomme d'Api. Bonjour. Pomme d'Api. Alors, tu peux mettre point d'exclamation RS, Pomme d'Api. C'est plus simple, je pense. Point d'exclamation RS. Il y a tous mes réseaux en un seul endroit. Cadeau. Et voilà, participez, allez-y. Bon, bah écoutez, je suis dégoûté. Faut que je rachète une breuvorage parce que c'était contre des ennemis. Quel cake. Comment tu vas, Pomme d'Api? Bienvenue. Salut, Villard 33. Coucou. J'ai toujours l'effet de la potion. J'ai l'impression, mais ça a bugué. Du coup. Bienvenue. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez... Je t'ai connu sur YouTube avec Elden Ring. Du coup, je regarde tes lives en attendant le 4 avril quand le jeu sort sur PS4. Oh là là, putain, je vous plains tellement de devoir attendre là pour la PS4 et la One. Oh là là. Quel cake, ouais. Pour vous aujourd'hui. Je vais acheter la recette, carrément. Hein. Breuvorage, 1200, vas-y. J'aurais assez si... Potion de concentration, potion d'invisibilité. Putain, elle est chère. Hein. Attendez, c'est 1200, et là, putain, il n'y en a plus qu'une à vendre, ou 1000. C'est... Franchement, je prends ça. C'est une sage décision. Et on va aller à la salle sur demande pour... Vous revoir très vite. Pour la fabriquer. Alors, pour ceux qui savent pas, j'ai la salle sur demande avec mon skin de serre d'aigle. Ça déboîte. Salle sur demande, regardez ça. Voyager. Elden Ring, c'est un jeu PC, respectez-vous, s'il vous plaît. C'est pas que PC, non? C'est pas que PC. Elden Ring. Voici ma salle sur demande. Ok, donc, potion, on va essayer de fabriquer. Breuvorage. Il manque des fruits de figuier d'Abyssinie. Fait chier. Je me dégoûte. Où est-ce que je trouve des fruits de figuier? Moi aussi sur PS4, je déprime d'attendre avril. Ah là là. Et si vous pouvez acheter sur PC en attendant. J'entends un bel accent du sud-ouest. Non, tu te trompes pas, Miss Click. Tu ne te trompes pas. Je suis à la base de l'Aveyron. Alors c'est cadeau sans X, Villard. Cadeau sans le X. Du coup, où est-ce que je trouve des fruits de figuier, bordel? Bon, allez, on va lui acheter, ça sera plus simple. Mais non, Miss Click. Aveyron, forever. Ouais, je suis de Rhodes à la base. Mais putain, il n'y a que des Aveyronais sur mes streams à chaque fois. Abusé. Les potions de soins sont notre spécialité. Ah, t'es obligé d'attendre à Villard, merde. Alors, où est-ce qu'il... Déjà, à quoi ça ressemble les trucs de figuier, là? Il n'y en a pas, non? Langue de faille-jeu, serpent, machin, truc. Il en vend pas, putain. Je suis obligé de l'acheter. Je me dégoûte. C'est la bonne, hein? Merci. Ouh,
J'espère vous revoir très vite. Romshot Toulouse, ouais, mais j'ai fait mes études à Toulouse, moi. J'ai fait mes études, j'ai habité à Blagnac pendant 7 ans. Salut à toi, Scrappy Cantal, bienvenue et merci pour ton follow. Scrappy, Scrappy Cantal, Scrappy Cantal, 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 c'est une unité de mesure de poids, de poids. Bienvenue. Ici, on est calme. Ma sœur habite à Rodez, par contre. Excellent. Je suis de Gap. Quelqu'un connaît. Mais oui, nous connaissons Gap. Nous connaissons. Bon, du coup, j'ai ma putain de potion. Comment ça va, la grimpeuse? Bienvenue. Du coup, il faut que j'utilise contre des ennemis, maintenant. Tu fais quoi comme étude? Alors, je faisais... j'ai appris le web marketing à fond les ballons. Et du coup, voilà. Web marketing à fond les ballons. Du coup, je vais essayer d'aller battre des ennemis. Petit campement de bandits. Pas mal, ça. On va se taper ici. J'étais en étude, ouais, de web marketing. Je suis pas souvent sur ton live, mais c'est très agréable. Merci, Villard. Merci beaucoup. Le sud-ouest est la plus belle région de France. Bah moi, j'avoue, j'aime beaucoup Aveyron, Pays Basque, Pyrénées, tout ça, tout ça. Sud-est aussi, c'est beau. Hein. Salut Chandrani, bienvenue. Et vive la chocolatine. Alors moi, j'ai trouvé un truc pour mettre tout le monde d'accord sur le pain au chocolat ou la chocolatine. C'est simple. C'est le pain au chocolatine. Voilà. Ça, moi, ça met tout le monde d'accord. Allez, camp de bandit. C'est par où? C'est par là. Comment je fais pour passer? Hop là. Donc, il faut que j'utilise ma... Attendez. Utiliser, obtenir et utiliser un breuvage contre des ennemis. D'accord. Donc, dès que j'y vais... Hop, j'utilise. N'hésitez pas à faire comme Scrappy Cantal et à participer pour gagner le jeu Hogwarts Legacy sur la plateforme de votre choix. Tirage au sort demain. La seule condition, c'est de follow la chaîne. Voilà. Et merci du coup à vous tous pour vos follows. On est 2856. Je suis en stream jusqu'à samedi. Et enfin, je dors quand même entre temps. Mais surtout, j'aimerais avoir les 3000 follows avant samedi. Salut à tous. Des croissants. Attendez, j'utilise contre les ennemis. Parti. Je bois. Tu as peut-être. Ils sont forts. Confringo. Incendio, tu vas le regretter. Je te préviens. Ok, camp de bandit, camp de bandit. Pourquoi il y a des squelettes, bordel? Ok. Confringo. Je suis trop stylé là. Je suis trop fort. Je suis comme le Roquefort, je suis trop fort. Dans le assassin. Ok, des bisous à ceux qui sont morts. Hop, on récupère de l'ulti. Parfait. Nous au droit. Je suis contente d'être tombé sur ton stream, tiens. Mais cool, Misclick, franchement. Il y a pas mal de gens qui m'ont découvert, là. En fait, moi, j'ai posé 4 jours de congé pour pouvoir jouer à Hogwarts Legacy pendant ces 4 jours, justement. Et déjà, le matin, je remarque qu'il y a beaucoup plus de monde que l'après-midi. Bon, après, c'est normal. Hein. Le matin, en général, tu te mets en TT. Enfin, si t'es en TT, tu te mets un stream en fond. C'est plutôt pas mal. Mais en vrai, il y a pas mal de gens de l'Aveyron et du Sud-Ouest qui m'ont découvert. Donc, voilà. Cro 2. Alors, je sais pas ce que c'est. Je suis très content qu'il y ait autant de gens qui m'aient découvert. Tu te filmes quand tu roupilles? Non, Chandrani. Non, non. le tirage au sort, non. Romshot, je le ferai pas en live, mais j'annoncerai le gagnant en live. Parce que le tirage au sort, en fait, c'est ce soir que ça se termine. Et vu que c'est un peu long, il faut que je récupère les commentaires aussi sur mon concours sur Instagram. Que je pick up un gagnant. Que je pick up après un gagnant sur Twitch. Et après, entre les deux, il faut que je mette ça sur un site qui s'appelle Plouf Plouf. Et du coup, ça va choisir entre les deux. Voilà. Voilà, voilà. Donc, il y a vraiment... vous pouvez doubler vos chances sur Instagram, en fait. Du coup, tous. Avec point d'exclamation Insta, vous pouvez trouver mon Instagram. Donc, on va retourner voir le professeur Sharp, du coup. C'est parti. Pour finir la quête. Et apprendre Defendo. Ok. On localise sur la carte, c'est parti. Alors c'est là, on va se TP au hall central. Let's go.
Salut Taraclé, bienvenue. Taraclé. Et merci pour ton follow, Taraclé. Welcome. Alors voyons voir, les amigos. Il est où, le professeur Sharp? Je l'aime beaucoup, le professeur Sharp. Mais je pense que ça vient du doubleur, finalement. Les doublages sont superbes dans ce jeu. Ils sont vraiment excellents, les doublages. Voyons voir. Donc Defendo, c'est un sort de feu, je crois. Il me semble. Avec Phyllis, on a participé tous les deux sur Twitch et Insta. Avez-vous terminé? Ah, vous avez 4 chances, oui, c'est vrai. J'ai terminé ce travail, professeur. Allez, let's go. Eh bien, j'espère que vous vous appliquez. Les raccourcis mènent bien souvent à des déceptions. Il est bien, lui. Il fait penser à Rogue, hein, l'air de rien. Tout s'est bien passé, professeur. Ça aurait pu être pire. Tout s'est bien passé. Oui, monsieur. Bien sûr. Bien. En temps normal, j'aurais dit que je m'en moque éperdument, mais vous... Je veux vous préparer comme il se doit. Parce que je suis spécial. Le talent et la volonté forment un duo redoutable. Il serait dommage de ne pas en tirer parti. Pendant que sur TikTok, ça s'enflamme encore. Tâchez de ne pas prendre la grosse... Ouais, c'est la voix de Tony Stark et de Daredevil. Voyons votre Defendo. Préparez votre baguette. C'est sur TikTok, ça s'arrête pas. Abusé. Concentrez-vous. Defendo peut être dangereux. 155 000 vues. Incroyable, quoi. Sur les baveboules. Allez, des bisous Figo, à tout à l'heure. N'hésite pas à repasser, je suis là toute la journée de toute façon. N'hésite pas à repasser. Putain, Galaxy, il a le compteur de viewers, enfin de vues sur mon TikTok en temps réel. Alors voyons voir ce sortilège, Defendo. Beau travail. Voyons voir alors. Je pense que vous avez compris comment fonctionne Defendo. Je vous encourage une nouvelle fois à vous entraîner en... Normalement, tu vas prendre Defendo avant Wingardium. Ah bon, Caldo Dash ? Celle des autres. Il faut lui parler ou pas ? Devoir terminer, 2 sur 6. 150 d'XP, bientôt level 20. Hein. Est-ce qu'il faut lui parler ? On va lui parler quand même. Professeur Sharp, auriez-vous un moment ? Cela dépend, que voulez-vous ? Pouvez-vous me parler de votre carrière d'Aurore ? Vas-y. J'aime bien le lore. Un badge d'Aurore sur votre bureau et je me demandais si vous pouviez m'en dire plus sur votre carrière. Ok, Caldo Dash, comme quoi on peut le faire vraiment J'imagine comme on veut. Je peux vous en dire plus. J'ai passé des années à retrouver des malfaiteurs qui faisaient du trafic d'artefacts de magie. Ça va, le son, c'est pas trop bas. Donc ils faisaient du trafic d'artefacts. Ça devait être un jour, vas-y. Cela me paraît plus dangereux que d'enseigner les potions. C'est souvent le cas. Même si j'ai vu des concoctions particulièrement créatives élaborées dans mon cours. J'ai connu beaucoup de succès en tant qu'Aurore. Aurore. Cependant, le succès peut entraîner l'arrogance si notre assurance n'est pas tempérée par notre humilité. Il a suffi d'un rien pour tout changer. Nickel le son. Vous demandez ce qui s'est passé. Oui, je suppose que cette histoire est connue. Mon partenaire et moi-même avons suivi un suspect jusqu'au port de Scarborough. Il faisait de la contrebande de têtes réduites de toutes sortes. J'en avais déduit qu'il travaillait seul. Mais je me suis trompé. Et il nous attendait. Lorsque nous sommes montés sur le bateau, eh bien, j'ai tout juste réussi à m'en sortir. Mon partenaire n'a pas eu cette chance. J'imagine qu'être Aurore est extrêmement dangereux. Pardon. Non. C'est intéressant, hein, c'est un peu ça. Les histoires des personnages, là. Mais la survie n'est garantie pour aucun d'entre nous. Vous devez prêter attention. Non, c'est pas la voix de Jack Sparrow, ça, pour le coup, Galaxy. C'est ce que je veux vous faire comprendre à tous. Un sou. C'est la voix de Iron Man. D'un poison, jusqu'à ce que vous le consommiez. De Tony Stark. Dit, professeur. Ou de Daredevil. Ok. Super, on va essayer du coup Defendo. R2... non, attendez. R2 droite, et on va faire Defendo sur rond, d'accord ? Alors attendez, je choisis droite et voilà. C'est un plaisir d'avoir un élève trop cool. Expelliarmus, je pourrais faire des sorts de répulsion sur un R2 et des sorts de gravitation vers moi, presque sur un autre R2. C'est la voix de John Travolta. C'est la voix des Bee Gees. Ça a l'air cool, Defendo. Defendo, pardon. Voyons voir si je fais arbre de talent. Est-ce que je peux l'améliorer? Je crois que oui.
sort 4 sur 10. Alors j'ai Repulso qui peut être amélioré, j'ai 3 points de compétence. Libère une explosion supplémentaire qui inflige des dégâts autour de vous. Donc ça c'est pas mal, ça a l'air plutôt cool. Salut, comment tu vas Warfly? Bonjour à toi. Ça c'est quoi? Projectile Diffindo traverse les ennemis touchés et atteigne d'autres cibles. Ah c'est pas mal ça quand tu les alignes. Salut à toi, Isis Volt, merci beaucoup pour ton follow, Isis Volt. Bonjour et bienvenue, Isis Volt, merci beaucoup. Ça c'est quoi? Attaquer des ennemis gelés par Glacius projette depuis la cible des éclats qui infligent des dégâts, ok, des éclats pardon. Et Descendo déclenche une onde de choc qui inflige des dégâts autour de votre cible. Ça, ça a l'air pas mal ça. Ça c'est cool. Hein. Petit coucou vite fait, en pause au boulot. Ok Warfly, il est quelle heure? Ah ouais, 10h12. Déjà, dis donc. T'arrives d'où, Isis? De Twitch? Ou de YouTube? Ou de TikTok, hein, maintenant, on pourrait dire de TikTok. Ok. Bon, on va garder les points quand même. Hein. Je regarde juste le cœur. Qu'est-ce qu'on aura là? Une parade protégo parfaite libère une explosion dévastatrice brisant des boucliers ennemis. Oh putain. Ah, stupéfique, ça inflige des dégâts à l'impact. Putain, les deux là, c'est cool. Niveau 22. Niveau 22. D'accord. Furtivité, j'ai rien fait, j'avoue. Et salle sur demande, voyons voir qu'est-ce qu'on a. J'ai même pas checké. La potion et du russe vous rend invulnérable. Et renvoie les projectiles lancés par les ennemis. Pardon, j'ai envie de tousser. Bah écoutez, sur le message caché du trailer de Zelda, y a un gars qui a commenté sur TikTok et qui m'a mis Ganondorf. Voilà. Donc pourquoi pas. Alors, on va suivre les quêtes. On va continuer les devoirs des professeurs. Devoir 2 de Madame Kogawa. Voyons voir. S'entraîner à voler près des flèches. Ah, vas-y, on va faire ça. Et s'entraîner à voler près de la tour de Pont-Désir. Ok. Localisé sur la carte. On va continuer ça. Ah, c'est là? Putain, c'est loin. Ah, ben heureusement, j'avais fait mes devoirs. J'étais allé ici, donc je peux me TP par là. Allez. Pardon. Je pense qu'à la pause, là, j'irai me faire une tisane. L'endroit semble être assez agréable. Ok, c'est parti. Putain, je me suis foutu de l'eau partout. Oh. Allez, voyons voir. Nous, c'est par là-bas. Très bien. Et du coup, terminer les trucs des devoirs des professeurs, je suis à 2 sur 6. Mais j'ai l'impression qu'il m'en manque. Vous voyez? Quand je vais dans défi, quête. Quête principale, quête annexe des relations, devoir terminé. Vous voyez? 2 sur 6. La cape de premier de la classe. Donc en fait, si je fais les... Il m'en reste 2 à faire. Il va m'en manquer 2 en fait. Regardez quand je vais dans quête. Salut Damumu, comment tu vas? Bienvenue. Vous voyez, devoir, ça ne fera que 4. Bon, après, c'est peut-être parce que j'ai pas fini, ou c'est dans plutôt plus loin dans l'histoire, peut-être. Comment tu vas, Damumu? Ah si, le balai, regardez comment ça va vite. Hop. Et hop. Je sais ce que cela représente. Et voilà. Une épreuve de Merlin. Bon, les épreuves de Merlin, on le rappelle, ça permet d'augmenter le nombre de slots d'inventaire. Voilà. N'hésitez pas à participer à mon concours pour gagner Hogwarts Legacy sur la plateforme de votre choix. Point d'exclamation cadeau sans X. Tirage au sort demain. Et la seule condition, c'est de follow ma chaîne Twitch. Voilà. Doublez vos chances sur mon Instagram. Point d'exclamation Insta. Merci à tous. Ok, donc il faut aller là. C'est là-haut? Attendez, c'est où? Ah, faut péter les ballons. Je suis bête. C'est ça? S'entraîner à voler près des flèches. Voyons voir. C'est quoi? Ah, c'est ça. Je vais y avoir un timer. C'est possible. Et merci pour ton follow, Robshot31. Bienvenue. Et merci infiniment pour ce follow. Bienvenue à toi. Je vais bien, je sens que je n'ai pas encore bossé dur aujourd'hui. Madame Mumu, moi c'est pour ça, voilà, tu vois,
J'ai posé des jours pour pouvoir y jouer tranquillement et que ce soit pas le soir et que je sois pas crevé comme un dingue. Là, il y en a deux. Voilà. Donc, ouais. Sinon, tu poses ta journée. Damumu, comme ça, tu culpabiliseras pas. Et voilà. 5 sur 5. Parfait. J'ai vu une vidéo qui disait que si tu prends un perso féminin, t'as le balai dès le début. Pas du tout. Pas du tout. C'est un gros troll. C'est un gros troll. Et c'est une blague graveleuse. Galaxy. Graveleuse. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est une plateforme d'atterrissage. Je savais pas. À quoi ça sert? Incroyable. Ça se voit de loin, peut-être. Énorme. Et sinon, tu tiens le coup physiquement? Tu t'es bien reposé? Alors, pas du tout Warfly. Là, je me suis couché à 2h et levé à 7h30. Donc aujourd'hui, ça va être la journée compliquée. Ce soir, je finirai, je pense, à 19h et puis je restreamerai pas. Parce qu'en fait, ce qui m'a plombé mon programme, c'est le Nintendo Direct, que j'avais pas du tout prévu hier soir. Et vu que c'était à 23h, et ben en fait, ça m'a dégommé. Dégommé. T'es rien, voyons, t'es rien. Bravo pour cette blague, Terrier. Très rigolote. Allez, go! Donc, je le rappelle, on peut appuyer sur L3 pour qu'il avance tout seul. Donc, ça, c'est super. Donc là, par exemple, je lâche mes mains. C'est de la magie! N'hésitez pas à profiter de ce live. Profitez. C'est un peu comme dans Red Dead. Quand on appuie sur je sais plus quoi. Bruit de paix pour Dallas. Un bon moment pour s'étirer, c'est vrai, Harry Potter. Nous nous étirons. Ah, voilà. Ah, ça fait du bien. Dis donc. Une pause ascenseur, exactement. Exactement. N'hésitez pas à follow si vous me trouvez trop beau. Hier, j'ai pensé à toi, Ribo. J'ai mangé des haricots verts. J'étais pas prêt. Merci, Samba les bébés, tu vois, ça s'est fait naturellement. On y est. Ça y est, on y est. Ok, donc là, très bien, qu'est-ce qu'on a là? Ok, donc c'est par là que ça commence, j'ai l'impression. Désolé, je suis un peu malade, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que je me surmène. On est en stream demain aussi, toute la journée. Demain, c'est quoi? C'est vendredi, c'est ça? Et du coup, samedi aussi, toute la journée. Pas de souci pour ça. 8h30 tous les matins. Voilà. Attendez, on est jeudi. Ouais, on est jeudi, putain. Encore 3 jours entiers. Mais c'est excellent. Putain, mais quand t'es viewer, là, ça doit être trop bien. Ça doit être trop bien. C'est comme un speedon, quoi. Ah d'accord, mais il avance tout seul. Oh non, j'ai loupé. Je me t'écoute. Ah, c'est parce que je suis pas assez couvert. C'est possible. C'est possible. Il faudrait que je mette une chapka. Potentiellement, Warfly. Et voilà. Voilà, comme ça. C'est fait. Éclater des ballons, 2 sur 5, parfait. Retournez voir Madame Kogawa. Yup. Elle est méga loin, non? Ok, donc là, il y a des méchants. Montre-toi. Non. Bonjour à tous et bienvenue sur ce live où on branle rien. Regardez. C'est de la magie. La baguette. Harry, la baguette de Suro. Qui vole toute seule, hein. Je le rappelle. Elle vole toute seule. Incroyable. Les blagues les plus courtes sont les meilleures, ok? Fracanus à tous. Alors, je crois que plus on est en hauteur et moins on va vite. Donc, on va descendre un peu. Des bisous Warfly. À plus tard. Merci pour ta blague. Vraiment, j'ai beaucoup ri. Avec mon pote, hier soir, on a buté un troll niveau 21, alors que nous, on est 14 dans la forêt interdite. Mais j'y suis allé, la grimpeuse, là, j'en viens. Et du coup, ça m'a permis de faire mon trophée des 100 combos. Voilà. Ribot, t'es pas en Aveyron. T'es encore en Écosse, là. Il fait pas les mêmes températures, alors sois gentil, couvre-toi. Ah, attends. J'ai pas de... Et en plus, j'ai pas de bonnet.
C'est marrant qu'il n'y ait pas les bonnets. Peut-être qu'il y aura des bonnets dans le jeu. C'est possible, ça. C'est possible. Ok, donc on avance. On va essayer de retrouver la prof Kogawa. Et ça va nous permettre, je pense, de débloquer une nouvelle amélioration pour le balai. Donc soit il sera plus rapide, soit, je sais pas, peut-être qu'il y aura des néons dessus. Un peu Conti. Le tuning, c'est ça aussi l'esprit de Hogwarts Legacy. Le tuning. On peut descendre là, par exemple, ou pas? Sur ce pont. Attendez, je vais quand même essayer de voir s'il n'y a pas... Ah voilà, il y a un autre pont là. On va prendre celui-ci, voir. Celui-ci, ici. Et on va voir. Est-ce que là, je peux descendre? Veuillez quoi? Pourquoi? Pourquoi je peux pas? Faut que je me TP? Non, là, c'est un pont où on peut passer à pied, ça, je le sais. Ah, parfait. Mais je peux pas me réenvoler. Ah si. Si, si. Énorme. Caldodash, non, ça me dérange pas. Je vais vous montrer où j'ai trouvé le troll. Je dois vous laisser. Bon live à tous et à toutes. À plus tard. Des bisous, Galaxy. N'hésite pas à repasser. Des gros poutous. Merci d'avoir été là, Spatem. Je peux te donner un autre spot de trophée si t'as de quoi ouvrir les serrures de level 3. Non, je suis que level 1 pour le moment. Alors, pour le troll, je vous le montre sur la map. Dans la forêt interdite, vous allez. Donc, carte du monde. Et en gros, toc, ici. C'était là, je crois. Repère de troll, voilà. Le troll est level 21, donc il est un peu chaud à battre. Mais, comment dire, vous restez dans le couloir qui est avant son arène. Il va venir vers vous et en fait, il ne pourra pas vous toucher. Du coup, vous pouvez faire le trophée des 100 combos. Voilà. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Coucou Mademoiselle Julie, comment tu vas? Bienvenue. Ben ça va Mademoiselle Julie, je suis un peu KO, hein, mais ça va, à peu près quoi. Je suis sur ma troisième session de Hogwarts Legacy, j'avoue j'ai pas beaucoup dormi ces dernières nuits, mais ça va, ça va, ça va. Et toi, j'ai vu, t'as joué à Hogwarts hier soir, ça t'a plu? Toi tu découvres la saga, c'est ça? Ben tu découvres, tu dois avoir Six Sparrow quand même... qui doit t'en parler, quand même, puisque lui, il est fan des Harry Potter. Comment tu vas, Mademoiselle Julie? Bienvenue. Et voilà, du coup, bah, écoute, moi, le jeu me plaît trop. Je me suis régalé depuis mardi, là. Mardi matin, minuit. Je me régale. Alors, voyons voir. Putain, mais elle est loin, en fait, là. Il faut aller où? Mais attendez, mais ça m'amène pas au bon endroit, non? Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas fan d'Harry Potter à la base, mais le jeu est cool. Sauf moi, j'ai eu full bug. Majeur, obligé de recharger mes saves, etc. Ça m'a rendu fou. Putain, ah ouais? Tu jouais sur quoi, Mademoiselle Julie? Sur PC ou sur Play? J'essaie d'ouvrir ça. Ah, serrure de niveau 2, merde. Bon, on lui parle. Madame Kogawa. C'est parti. Amélioration du balai. Tous mes devoirs sont finis. Félicitations, vous faites preuve de discipline. On a un peu tous la tête dans le pâté là, je crois. Chaud, chaud, chaud. Et vous avez prouvé vos compétences en... Putain, t'as eu des gros bugs, Mademoiselle Julie. Entraînons-nous à Aresto Momentum. Aresto Momentum. A été créé pour empêcher les souffles de tomber directement au sol lors d'un match de Quidditch. Salut NPC, pardon, Reborn, bienvenue. Donc Aresto Momentum, on voit un M, hein. Je le dis, on voit un M. Allez, croix. Triangle. C'est parti, croix, on va s'en sortir, et carré. Et on termine avec rond. C'est gagné. Des bugs qui m'ont empêché de continuer dans mes quêtes et tout, franchement trop chiant. Putain, l'enfer. L'enfer. Aresto Momentum ralentit le mouvement des ennemis et des objets. Plus la cible est grande, plus le sortilège perd en efficacité. Ok, donc on va aller tester ça de suite sur les clés de... De je sais plus qui là, de Darius. On peut le tenter. On va l'essayer. On va l'équiper déjà. Il est où Aresto Momentum? C'est une... Ah, c'est la main comme ça. D'accord. Donc attendez, on va se mettre la roue comme ça. On va faire ça. Ok. Donc j'avoue être coupé dans mon expérience. Ça m'a saoulé. Putain, mais je trouve ça dingue. Moi, j'ai eu un seul bug pour le coup pour l'instant. T'as un niveau 20. Incroyable. Plus 65 PV.
parfait. J'ai eu qu'un seul bug, c'est que je suis passé sous la map. C'est tout, pour le moment. J'ai pas eu d'autres soucis que ça. Voilà. Alors, je vais retourner dans la salle commune. Enfin, dans la grande salle, pardon. Et on va essayer Arresto Momentum sur une des clés, voir si c'est plus simple. D'accord ? Enfin, déjà, voir si ça fonctionne. Normalement, c'est que la nuit. Donc, on va voir ça. Rebellion. On va voir ça. Toi, c'est vrai que t'as toujours des bugs de ouf, Monosa Jolie. Donc, on va tenter. Vous voyez, là, la clé, j'arrive pas à la faire rentrer dans la serrure. Je vais tenter ça. Arresto Momentum. Et donc là, vas-y, fais voir. Si ça marche. Hein. Si ça marche, ça veut dire que je suis un génie. Mais oui, putain, regardez. Elle se déplace au ralenti, non ? Je suis pas débile. Hein. Je suis pas débile. Je suis débile. Par contre, elle se déplace tellement lentement que c'est l'enfer, là. T'es là, regardez. Mais oui, il fallait débloquer Arresto Momentum. Et là, croix. Oh ! J'ai passé un quart d'heure hier. Ah putain, ça l'ouvre aussi au ralenti du coup. Ben c'est bon, t'es dedans là. Putain, j'ai fait planter le jeu quoi. Je suis une brêle. Putain, ça save. Il y a un truc là. Faut juste cliquer au bon moment, mais je peux te dire, Villard, que j'en ai chié sur celle-là. Là. Impossible, quoi. Ribot génie, incroyable. Ah, je suis trop content. Eh ben, Arresto Momentum qui fonctionne pour les clés. Alors là, je suis trop content. Par contre, je sais pas où foutre le jeton de Gryffondor. Il faut aller à l'escalier en spirale, à mon avis. Il est où l'escalier en spirale ? Il est là-dedans, normalement. C'est ça, là ? Non ? Salle commune de Serre d'Aigle. Pas du tout. Salle des trophées. Pas du tout. Tour du grand escalier, d'accord. Grand escalier de Poudlard. Ouais, j'en ai trop chié sur ces clés-là. Je vous rappelle que vous pouvez participer au concours pour gagner Hogwarts Legacy sur la plateforme de votre choix avec le point d'exclamation cadeau. Parce que la seule condition, c'est qu'il vous faut follow la chaîne. Alors attendez, on a un truc là. On peut aussi essayer d'ouvrir ça peut-être, je sais pas. Où est-ce que ça peut se trouver ? Salle commune de ta maison, il y a un coffre. Oui, mais alors j'ai que des... Enfin là, j'ai le Gryffondor, tu vois. Tu crois que c'est dans la salle commune de ma maison qu'il faut le foutre ? Attends, on va regarder. Hop, c'est là. Hein. Salle commune de Serre d'Aigle, elle est là. Là ! Ok. Oui, c'est dans le coffre de ta salle commune. Ok, d'accord, je savais pas du tout. Ah, c'est là. Un nouveau jeton pour le coffre de ma maison. Ah, cool. J'en avais trouvé une à côté de du prof qui m'a appris Allo Omora. C'était où déjà, ça? Il est où, ce con de prof? Attendez, ça doit être d'enquête. Bruit de paix pour Dallas. Ah, c'était il y a 12 minutes, merde. T'as, j'ai offert un bruit de paix. Je me t'écoute. C'est ça, l'homme derrière la lune. Localisé sur la carte. Il y a un autre coffre de clés, là. C'est ici, du coup. On va se mettre le truc et faire ça. Bon, merci pour le tips, du coup. Et Mademoiselle Julie, du coup, Sixparo, là, il est passé hier soir sur mon live rapidement. Il m'a dit que le jeu, il le surkiffait. Il doit se régaler, franchement. Pour quelqu'un qui est fan d'Harry Potter, à mon avis, là, il doit être trop, trop content. Là, j'ai trouvé un truc de demi-lune. Je vais lui donner. On va voir ce que ça fait. Monsieur Moon. Salutations. Si t'as réussi l'épreuve, t'as déjà sur toi les clés. À vrai dire, j'ai quelques lunes. J'en ai une. À vrai dire, j'ai quelques lunes pour... Il est à fond. Merci. Moins je vois énorme. Que tu, mieux je me porte. Cherchez-en d'autres, et je vous en apprendrai davantage.
Ok, je continue de chercher. Bon, bah, je vais tenter de trouver. Normal, j'en avais trouvé une. De vous rapporter les lunes. Votre courage et votre bravoure. Franchement, l'univers est super. J'en ai qui sont passés sur mes lives qui connaissaient pas du tout Harry Potter. Et franchement, les gens ont envie d'acheter le jeu justement parce que ça les fait kiffer en fait. Ah. Désolé, je rote, pardon. Voilà, elle était là, la clé où j'en ai chié pendant des plombes. Bah, du coup, on va le refaire. Hein. Maintenant, j'ai la soluce. Déverrouillé. Reste un moment. Hop là. Parfait. Donc, il disait que plus c'était petit, et plus ça durait longtemps. Incroyable. Quel tips. Allez, vas-y, la clé, là. Donne tout ce que t'as mis dans du vol. Allez. Elle est pas devant, là. Vas-y, monte. Et là, c'est le frappage. Ah non. C'est un retour arrière. Non, je vous dis, enfin si, ça marche aussi. Mais pas avec Arresto Momentum. Vas-y. Prêt. Glacius et Flipendo a pris. Bravo, Caldo Dash. Tain, toi tu rushes là, j'ai l'impression Caldo Dash. Il va y jouer jusqu'à plus pouvoir. Sakura, qui était là hier, à mon avis, elle a dû jouer un bon moment hier soir. Parce que elle est pas là. À mon avis, elle doit pioncer sa maman. ça doit être costaud. Cool. Un jeton. C'est parti. Et pourquoi on me met un griffon d'or sur mes jetons, là? Ah, t'es là, Sakura. Énorme. Après, moi, je perds la boule, hein. J'ai trop streamé là. Elle résiste. Alors voyons voir. Elle est où ma maison? T'as dit bonjour et tout. Putain, mais je suis perdu moi. Tour du grand escalier. Salle commune cernée. Allez, voyageons. Je rache les sorts. Il me reste celui que tu viens d'apprendre et les sorts interdits. Ok. Alors moi, les sorts interdits, j'ai toujours pas eu un seul sort interdit. Je pense que c'est lié à la quête principale pour le coup. Désolé Sakura. Je perds la boule. Ok, et donc là, ma quête, c'est quoi? Rapporter les lunes de demi-guise à Glawin Moon. Mais pourtant, j'en ai filé... Qu'est-ce que vous mijotez? J'en ai filé une, ok. Et ben, qu'est-ce qu'on a comme autre quête à faire? Il nous reste un devoir, je crois, de prof à faire. On va regarder ça. Devoir du professeur Bulbil. Flipendo. Faire pousser et récolter du sisembre. On va aller acheter la recette, du coup, et obtenir les 3 plantes de combat... Et les utiliser simultanément. Alors, qu'est-ce que c'est, les 3 plantes de combat? Je pourrais aller voir chez Amanite et Chien d'An au Navet Magique. Par contre, je ne sais pas ce que c'est, les 3... Ah, les 3 plantes de combat. C'est le chou mordeur de Chine, la mandragore et le tentacouille. Mais je l'ai fait, ça, déjà. J'ai pas envie de les acheter, bordel. Bon, je vais par contre aller acheter la recette du sisembre, si ça vous chauffe, sur la carte. Nous allons à Préolard. Alors, c'est là que je dois me rendre. Je vais le cliquer, ok, et allez là. Salut Paul Lambert, bienvenue. Salut à ceux qui arrivent, bonjour à vous. Et les choux mordeurs de Mandragore, etc. Ok, Villard, moi j'avais pas capté. Utilisez-les en combat. Achète... Ah mais oui, je suis bête, Sakura, c'est vrai, tu m'as parlé de God of War. Quel cake. Sur PS4. Voyons voir. Bien le bonjour. Je vous en prie, prenez votre temps. Je prends mon temps. Donc il me faut quoi? 6 sembres. J'ai pas assez de thunes. Putain, je suis nul. Je peux vendre des trucs. Vas-y, ça, je vends. Vous avez vraiment le sens des affaires. Ça, je vends. Ça aussi, je vends. Ça, je vends. Ça aussi, je vends. Et ça aussi, je vends. Et ça, je garde. Qu'est-ce que je fais, alors? C'est bien ça, hein, c'est 6 sembres, hein, que je me retrouve pas comme un con, quand même. Clochard, ouais, le gros clodo. Faire pousser et récolter du 6 sembres. Donc, il me faut forcément les graines. Vous cherchez quelque graines de 6 sembres, j'achète. Si je peux okay. Vous aider, n'hésitez pas à me faire signe. Et qu'est-ce qu'on a? Polygonome, morve douce et figue sèche. Ok. L'autre qui vend. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons. Qui vend les trucs, elle est plus loin. Donc attendez, je vais aller à ma salle sur demande du coup. Pour aller faire pousser du sisembre. C'est parti. Carte de Poudlard, pièce secrète.
Et nous allons, du coup, à la salle sur demande. Incroyable. Attendez, je vais donner un grand coup sur mon ordinateur qui fait un bruit. Ça me saoule. Putain, hein. Connard d'ordi. Kamehameha sur l'ordi, quoi. Le prix des objets vendus change en fonction de là où on vend ou c'est pareil partout. Non, c'est pareil partout. C'est juste qu'il y a... Il y a une boutique exclusive sur PlayStation 5 qui s'appelle la maison hantée ou je sais pas quoi, la boutique hantée. Et tu peux tout revendre 10% plus cher. J'avoue, le PC il a pris pour tout mon énervement cumulé. Qu'est-ce que je fais du coup? Aucun équipement non identifié. Il y aurait quelque chose à identifier. Et c'est ça qu'on fait pousser. D'accord. Donc là j'ai eu des graines de dictame examinées. Comment on fait vider le pot L3? Et donc on a des graines, normalement, de 6 cimbres. Taille de peau inadaptée? What? Attends, parce que du coup, il me faut faire les sortilèges de je sais plus quoi, là. Pour... Putain, ça c'est chiant, par contre, de devoir faire des sortilèges. Le pro de l'informatique. Exactement, Tarbug. C'est ça, je crois. Permet d'invoquer des objets. Alors moi ce qu'il me faut c'est truc de botanique. Très bien. Faut les tables à grands pots. Alors où est-ce qu'elles sont? Table de rempotage scientifique munie de 5 petits pots. 3 petits pots. Moyenne. C'est des tables à grands pots qu'il faut. Grande table. Et comment tu débloques ça là? Budget. Attends. Achat auprès de Tom et Parchemin. Ce poste botanique... Tom et Parchemin, c'est où, ça? Ah merde, quel cake. C'est où, Tom et Parchemin? J'y suis jamais allé, je crois. Ça doit être un parchemin. Tom et Parchemin. Alors, je clique, d'abord, comme ça, j'aurai la direction quand je me serai TP. Après, voilà, ok. Je ne savais pas. Donc, il faut le moyen et le grand. Oh, putain, mais ça va encore coûter une blinde, ça. Il faut taquer d'argent dans ce jeu, en fait. L'argent est très utile et très important dans le jeu. Action Edwige! Bonjour à tous. Bonjour, entrez. Il y a beaucoup. Ah mais oui, je le connais lui. Ici. Ok. Ouah, wow, putain, il se régale ça. Alors voyons voir. Potion moyen. Le dos droit. Pardon. Ok, 5 petits pots, 3 petits pots. 3 petits pots, 3 petits pots, moyen. Rempotage moyen, vous êtes sûr que c'est les grands, hein? Salut Raph, bienvenue, salut à ceux qui arrivent, bonjour. Permet d'invoquer une table de rempotage munie de 2 pots moyens. Munie d'un pot moyen, putain, elles sont où les grandes? Grand pot. 2 grands pots, putain. Et moi je voudrais un grand pot. Il me faut 1000. J'ai 448. 88, pardon. Et merde. Je suis vraiment un clodo, quoi. Comment je fais pour avoir de la thunasse? Ça va bien, Raph. Merci beaucoup. Ça va faire ta mort. Donc, il me faut 1000 de thunasse. Et bien, pour ça, on va être obligé de faire des quéquettes secondaires ou des quéquettes principales. On va être obligé. Pour looter. Le loot m'habite. Ouais, voyons voir. Ça, c'est une quête principale. Les 3 balais. Qu'est-ce qu'on a comme quête? Voyons voir. Obtenir les 3 plantes de combat et les utiliser simultanément. En plus, ça, il va falloir les acheter aussi. Dur, dur. Mais écoutez, on va faire ça, le cours des créatures magiques. Allez, on cours sur les créatures. Allons-y. C'est parti. Créatures magiques. Hop. Et on se TP. À Poudlard. Et ils auraient dû faire un raccourci pour pouvoir choisir Poudlard rapidement. Parce qu'en vrai, c'est pas évident. C'est où? Ah, c'est dehors. On peut se mettre peut-être là. Non, c'est dehors. Y a pas l'entrée, là? De Poudlard. Carte du monde. Salut Lilou, comment tu vas? Bienvenue Lilou. Putain, mais c'est trop chiant, cette carte.
Je vais me TP là. Ah, c'est vrai que je peux faire des livraisons pour le fabricant de potions. Villard, tu as raison. Bah, vas-y, je fais ça juste après. Hop, rond, voilà. Hi-ya ! Allez, hop, on appuie sur L3 et on attend. Bonjour à tous et bienvenue sur ce live absolument incroyable dans lequel nous patientons sur un balai. Fesse en arrière, dos en avant. Regardez. Et on s'avance. Yo, 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 yo. Je suis professeur de Quidditch. Cours sur les créatures magiques. Oh putain, c'est peut-être là que je vais débloquer un hippogriffe. C'est possible ça. C'est possible. Ok, et ben écoutez, pour YouTube, c'est terminé. Pour Twitch, on continue tout de suite. Des bisous YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner, à venir me voir sur ma chaîne principale Ribosome et aussi à venir me voir sur twitch.tv/ribosome et à venir me follow. Parce que oui, il y en a besoin. Merci à toi YouTube. Tu pues. Ciao.